La Société française des professionnels en activité physique adaptée, c'est une association qui regroupe les professionnels de l'activité physique adaptée formés dans les UFR STAPS en formation activité physique adaptée et santé. C'est une association qui a été créée en 2008 et qui couvre tout le territoire. Nous sommes organisés, nous, sur les 22 régions du territoire et nous sommes organisés aussi sur des commissions de spécialistes comme la commission activité physique adaptée et cancer, la commission activité physique et maladies métaboliques ou la commission activité physique et maladies respiratoires ou maladies cardiovasculaires. La mission de la SFPAPA sont de faire la promotion de l'activité physique adaptée auprès du grand public et des professionnels. C'est également créer un réseau de professionnels en activité physique adaptée et c'est aussi apporter de l'expertise sur l'activité physique. Ça fait 2 ans que la commission Activité physique adaptée et cancer travaille sur ce workshop pour rassembler les professionnels du parcours de soins, les patients et les proches autour de la thématique de l'activité physique et du cancer. Ce workshop part d'un constat que les patients qui faisaient nos programmes d'activité physique pendant les traitements du cancer avaient du mal à trouver une activité par la suite et nous demandaient un peu « qu'est-ce que je fais maintenant ?». Et on se rend compte que même si maintenant le nombre de programmes a énormément augmenté, eh bien cette problématique d'orientation et d'accès à l'activité physique est toujours un peu problématique, que ce soit pour les patients qui ne retrouvent pas forcément de structure ou pour les médecins qui ne savent pas forcément où orienter leurs patients. C'est important parce que l'activité physique a montré de nombreux bénéfices pour les patients pendant et après les traitements du cancer. Et de nombreuses recommandations vont dans ce sens actuellement, sauf que les patients ont encore du mal à initier une activité physique pendant les traitements. L'intérêt de ce workshop, c'est finalement de rassembler les différents professionnels, les acteurs du parcours de soins, les patients et les proches autour de la même thématique de l'activité physique et cancer pendant tout le parcours de soins, pour réfléchir à l'orientation et à l'accès vers cette activité physique. Cette journée va se dérouler en plusieurs temps, et notamment des temps de travail, parce que c'est un workshop et non pas une conférence. Et donc on va demander aux personnes présentes de participer activement lors des ateliers qu'ils auront choisis lors de l'inscription, donc aux différentes réflexions qu'on leur proposera le jour de l'événement. J'attends de ce moment qu'il soit convivial et bienveillant. J'attends également que la plupart des acteurs du parcours de soins soient représentés, ainsi que les patients et les proches. Et je garde en tête que la parole de chacun sera écoutée et que chacun a son expertise et son expérience à amener lors de ce workshop.